notre président est un sacré farceur. Ce n'est pas à proprement parler un menteur. Seulement il s'arrange avec la vérité. Il change souvent d'avis dans la même journée. Il déclare à la télévision française: pour la retraite à 60 ans, pas de malaise. Je ne ferai pas comme mon prédécesseur qui projetait d'assommer les travailleurs. C'est un président tout à fait rassurant qui est bien capable d'écrire dans le même temps à la Commission européenne noir sur blanc pour le taux plein départ à 66 ans. Entre République et Palais Royal, dans une position plutôt bancale, à la fois sociale et libérale, notre président n'est pas si normal. En plein cœur de sa campagne présidentielle, il trouvait inefficace et criminelle la décision d'augmenter la TVA. On n'y touchera pas, ne vous inquiétez pas. Pour compenser la baisse du coût du travail, au lieu de s'attaquer au coût du capital, il en augmente quand même le taux principal. Une drôle de politique de justice sociale. Entre République et Palais Royal, dans une position plutôt bancale, à la fois sociale et libérale, notre président n'est pas si normal. Quant à sa grande politique d'immigration, là on atteint des sommets d'aberration. On fait déplacer la police des frontières pour faire arrêter d'urgence un bus scolaire. Retour au pays, la jeune fille de 15 ans, elle pourra revenir mais sans ses parents. Comme aux plus belles heures du régime de Vichy, on déclare inassimilable toute une ethnie. Entre République et Palais Royal, dans une position plutôt bancale, à la fois sociale et libérale, notre président n'est pas si normal.